Bonjour à toutes, bonjour à tous, je reviens vers vous, j'ai fait la vide-grenier du 11 août 2018 et 12 août 2018. Des petits vide-greniers, j'ai pas trouvé grand-chose, mais malgré tout des vinyles, bien sûr, 33 tours, 45 tours que j'ai ici. Et puis une figurine aussi, enfin pas une figurine, mais une peluche assez grande. Yogi, ça veut dire quelque chose. Alors la peluche date pas de très très longtemps, elle est de 2001. Le dessin animé, la BD dure depuis bien plus longtemps que ça. Mais j'ai une BD comme ça. Et puis également une figurine un peu dans le style Goldorak qui fait 40 cm. Que j'ai eu par internet, pas mal, je vais vous faire voir tout ça. Donc en 45 tours, j'ai trouvé Ulysse 31. J'en ai d'autres, bien sûr, je le pose. Le 31e siècle. C'est parce qu'Ulysse avait terrassé le cyclope. Également, je vais poser aussi ça, un livre disque, Zorro. Zorro est un héros légendaire. Si l'on peut affirmer qu'il a réellement existé, on peut dire en tout cas qu'il a redonné l'espérance à tous les opprimés. Nous voici donc en 1830, en Californie. En ce temps-là, cette province appartenait au Mexique. Je l'entends également. Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Alors c'est sympa, vous pouvez l'ouvrir, vous avez les petites histoires, les dessins, c'est pas colorié, c'est plutôt en super état, donc très content. Alors pour la petite anecdote, c'était inscrit sur les disques, pas sur celui-ci, il n'y avait rien inscrit, il y avait les petits autocollants, 2€ ou 4€. J'ai demandé combien c'était, il m'a dit 1€, j'ai trouvé d'autres où c'était marqué plus que ça, notamment celui-ci, j'ai trouvé. Il faut être très fort pour commander le groupe d'intervention G. Mais vous connaissez déjà ceux qui le composent. Princesse, si belle qu'elle pourrait être élue Miss Galaxy, Marc, le responsable du groupe, Thierry, le baroudeur, Allumette, l'engloutisseur de spatio-casse-croûte, et Kipo, le bafoueur. La bataille des planètes, super. C'est marqué 2€ dessus. Je demande sur le fermoir, il me dit 1€. Ils sont tous à 1€, il me fait oui. Ok. Donc j'ai payé 1€. Donc le mystère de Shangou. Pareil, niveau disque. Pareillé, superbe. En très bon état. Très content. Ensuite j'ai trouvé également David Croquette. J'en ai d'autres également que vous allez voir. Niveau disque toujours. T'as pris 2€, j'ai eu 1€ aussi. Donc vous voyez, des dessins plutôt sympas. Et puis également, ça n'est Bernard Lazurka de Walt Disney. Pareil, livre disque.
j'approche avec une caméra. Hop. Donc super. Et puis le plus cher, je suis très content, assez rare, la livre disque de, des maîtres de l'univers. Très très content, et c'est marqué 4 euros dessus. Pareil, j'ai négocié 1 euro, donc tous ces livres disques, 1 euro pièce, donc c'est super. Voilà, malheureusement. Envoyez les autres que j'ai. Adam le prince d'Eternia, par la puissance de son... Malheureusement, il est rayé de chez Rayé. Donc je l'ai quand même. Hein. Heureusement, j'ai pas acheté 4 euros parce que ça m'aurait foutu les boules. Donc c'est plutôt sympa. Alors j'ai pu lire l'histoire d'un côté, de l'autre côté c'est une chanson, alors je sais pas. Ça a plein de tontons qui correspondent à l'histoire, faut que je regarde mieux que ça. Donc voilà, je mets un petit saut par là, comme ça je sais que c'est rayé. Donc si j'en trouve un autre, je le prendrai. Et puis on regarde un tour Kylie Minogue. J'en ai pris deux de Kylie Minogue, celui-ci. Et celui-là également. Et 33 tours également. Marie Lafont, vous entendez actuellement en 33 tours, plutôt sympa. Toujours aussi joli, moi je trouve. L'arrière. L'intérieur aussi. L'intérieur, très joli. L'organe qui est en bas pour mettre le vinyle là. Aussi. Et puis aussi les 24 succès de Marie Laforêt toujours. Et on peut ouvrir également. Super joli. Comme ça. Tu vis sans moi et sans histoire. Et puis en 33 tours pour terminer les disques, les 33 tours, Karen Cheryl. Sympa. Et vous avez fait, il est là. C'est plutôt joli. Et toujours à l'intérieur. D'ailleurs, j'en ai d'autres. Je vais vous voir maintenant. C'est pas exceptionnel, mais c'est une chanteuse que je trouvais très très jolie quand j'étais petit. On peut dire que j'étais amoureux comme ça. Hein.
mais peut-être plus sympa, pour l'arrière. Voilà, et puis dimanche, donc le 12, hein, le 12 août 2018, je trouvais une peluche assez grande, donc c'est Yugi. Donc je suis plutôt super content. Yugi l'ours est plus malin qu'un ours moyen. J'avais une BD déjà de lui. Donc voilà, c'est de belle taille, donc super content. Voilà ce que j'ai trouvé dans les greniers. Et puis j'ai reçu via la poste un robot, comme je vous disais, qui fait 40 cm. Qui est dans sa boîte. Je l'adore. Voilà un petit peu. Tout ce que j'ai pu récolter ces derniers temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao, ciao! Mm-hmm.